j'ai été vraiment très intéressée de pouvoir participer à ce MOVE 2019 parce qu'on se rend compte que finalement la problématique générale des mobilités, elle se pose partout. Et je fais partie de ces élus qui sont très attachés au partage d'expériences. On s'enrichit de savoir ce que font les autres, on s'enrichit de connaître les problèmes des autres qui effectivement vont pouvoir nous permettre d'avancer dans notre réflexion d'élus locaux dans un territoire de taille moyenne, donc qui est particulièrement concerné par toutes ces questions de mobilité, et en même temps dans un territoire dans lequel forcément nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de tramway, nous n'avons pas de solutions d'intermodalité qui sont les mêmes que celles d'une grande métropole. Donc ce sont vraiment des problématiques du quotidien pour nous élus, mais aussi pour nos concitoyens, et je trouve ici un certain nombre de réponses. Et toutes les petites actions vont compter, les petites et les grandes. Alors parmi les plus grandes actions, il y a bien évidemment les projets structurants, c'est la construction de la passerelle sur le Tarn que nous sommes en train de faire à Albi pour relier la rive gauche et la rive droite, passerelle qui ne sera accessible que pour les vélos et les piétons. Tout ce qui est développé en termes d'investissement sur les trottoirs, parce que quand on dit aux gens lâchez votre voiture, faites ces quelques centaines de mètres à pied ou ce kilomètre à pied, encore faut-il que les trottoirs soient susceptibles d'être empruntés. Donc bien évidemment, toute l'action qui est portée au vélo, à la fois sur les possibilités de prêt de vélo, à la fois sur l'aide à l'acquisition de vélos électriques, c'est finalement tout ce qui est aussi la préservation et la défense de notre commerce de centre-ville. On n'a pas besoin de prendre sa voiture pour aller faire des courses quand on a tout ce qu'il faut en bas de chez soi. L'idée, elle est de dire aux gens, vraiment préconiser les circuits courts, ce sont des circuits de proximité, et c'est comme ça qu'on arrivera raisonnablement et tous ensemble à avancer dans les nouvelles mobilités.